Les éclaireurs disent qu'il y a une autre vague de démons qui sera sur nous d'un instant à l'autre. Il faut protéger les soldats. La plateforme montera plus vite si on ne perd pas d'hommes. Il n'est pas juste que ces gens soient coincés ici. Vous êtes seul ici? Mais quelle question! Bien sûr que je suis seul! Tout le monde a cru bon de se faire égorger, mais je veux bien être damné si je quitte mon poste! Rendez-vous donc un peu utile pour changer. Actionnez le treuil. J'arrive pas à croire que vous me laissez faire ça tout seul, bon sang! Faites surtout pas attention à moi! Je vais tranquillement continuer à essayer de dresser cette saleté de catapulte énorme sans que personne m'aide! Pas de soucis! Oh, toutes mes excuses! Je croyais que vous étiez là pour aider à dresser la catapulte, pas pour admirer le putain de paysage. Et voilà. J'avais promis au capitaine Hale d'avoir un peu moins sale caractère. Soyez gentil, ne lui dites pas que je vous ai un tout petit peu crié dessus, d'accord ?
Je dois rentrer. Pendant que tu jouais avec tes catapultes ridicules, mes démons ont infiltré les profondeurs de ton donjon. Une fois qu'ils m'auront rapporté la pierre d'âme noire, tout ton monde périra dans les flammes. Non. Les démons sont dans nos murs! Ils remontent des profondeurs! Aux armes! Aux armes! Je vois un démon baveux. Je pourrais te demander si tu vas bien, mais... Nicolas, tu vas bien? Oui, les démons n'ont pas pu m'approcher. Loué soit Akarat. Si notre champion n'était pas revenu, on serait tous morts. Les démons d'Asmodan ont ouvert une énorme brèche dans nos murs. Ils envahissent les profondeurs. Si nous ne la scellons pas, le donjon sera submergé. Alors je vais la colmater, avec un tas de cadavres. J'apporte un message du roi de l'Ouest-Marche. Accepte-t-il enfin d'envoyer des renforts ? Monseigneur vous fait dire qu'il n'enverra pas ses hommes se battre contre des seigneurs démons imaginaires. Peut-être changera-t-il d'avis quand son royaume sera réduit en cendres. Il faut encore attendre. Des faucheurs d'âmes. Je dois trouver la fureur. Le fléau des vivants. Des créatures nées du mal éternel qui fouillonnent des enfers. Agiles et véloces, les faucheurs se déplacent rapidement en projetant leur langue sur leur proie, puis en leur sautant dessus. Arrivés à ce stade, on ne peut plus leur faire lâcher prise. Ils ont déjà commencé à se repaître. Une autre attaque se prépare. Nous devrions frapper les premiers. J'ai eu la chance dans mon jeune temps d'en apprendre beaucoup sur l'histoire complexe des barbares. Pourtant, les origines de ces immenses et puissants guerriers restent nébuleuses. Certaines légendes les présentent comme la progéniture de Bulkathos,
Un ancien qui incarnait leur idéal de force, de bravoure et de courage. Le monde est un peu plus sûr désormais. Kathos, guide mon bras. Les enfants de Boule Kathos s'étaient installés dans les plaines du Nord, une région connue de nos jours sous le nom de Terre des Froids. Leur culture était essentiellement nomade et tribale, même s'ils disposaient de quelques campements permanents comme Sécheron ou Arrogat. Les barbares étaient gouvernés par un groupe de guerriers vétérans très respectés, le Conseil des Anciens.
encore pas assez de fureur. Je suis prêt à recommencer. Qu'une fraction de la grande armée des enfers. Nous allons les noyer sous un torrent de péchés. La jeune fille est encore faible et leur héroïne ne s'attendra pas à une attaque par en dessous. Envoyez la bête vorace. Ce donjon est conçu pour abriter une garnison de 3000 hommes. Il y en avait à peine le tiers quand les démons sont arrivés.